Bon, eh bien, salut tout le monde, c'est Jay Manfic, je prends mon micro pour l'épisode, je sais plus combien de Metro Last Light, et le let's play, bien évidemment, parce qu'on peut pas faire grand chose d'autre, c'est parti, mon kiki. Les marais, avec un peu de chance, les nôtres m'attendront à l'avant-poste dans l'église abandonnée. Je leur dirai tout ce que je sais sur Pavel, sur une sorte de test auquel ils vont procéder, et puis je poursuivrai ma route vers Oktyabrzyskaya. Le sombre est là-bas. C'est parti, donc. On monte une échelle. C'est génial. Une échelle, plutôt. Là, j'ai une combinaison anti-radiation, genre. Ouais. Je l'avais enfilé lors du dernier épisode, me semble. Oula! Donc, on va enfin pouvoir profiter des graphismes ultra. Nous y sommes. Le marais. Aïe, aïe. La base est de l'autre côté, dans l'église. On la voit pas d'ici. Effectivement. C'est un radeau treuillé. Il a besoin de carburant. Dac. Il devrait y en avoir dans l'avion ou dans la planque à la station essence. Ah non, tu me dis. N'approche pas de l'eau si tu tiens à la vie. Pourquoi dans les jeux, il manque tout le temps et de voilà. Gauss. Bonne chance, Artyom. Ah, puis il vient pas, en plus. Je m'y attendais un petit peu, mais... Ça aurait pu. Bon, c'est parti. Faut que je me retrouve des boutons. Voilà, voilà. Donc 188 balles. On devrait faire 104. On devrait faire. On va prendre le shotgun. On est en masse de balles. Sinon, faut aller là-bas. Bon, ben, on va y aller. Donc là, j'ai rapproché le micro de ma bouche. J'espère que il y a moins d'écho. Il est supposé, j'ai fait une vidéo sur World of Warplane juste avant. Oh, un démon. C'est ça que j'entendais. C'est bien foutu, hein. Si on compare... comparé à Metro 2033, là, les démons, là, sont vraiment bien foutus. Regardez les bâtiments qui... C'est quoi, ça? C'est rouge. Holy shit! Mais elle meurt pas! Allez, on y va! C'est n'importe quoi ces bébites là! Ok, c'est moi. Ok, fait que ça va être horrible. Ouh! Ok, ne pas aller dans l'eau. What? Ah, moi je me pousse de cet endroit de malade. Ok, je pense qu'il faut suivre les drapeaux rouges. Ah bah oui, une station essence. C'est personne. Ah, c'est ça stresse. On pourrait pas commencer genre un épisode de relax, Bob Marley un peu. Oh non. Pas encore ces bébites là. Donc voilà le truc d'essence. Bah, il est vide évidemment. Allez, il faut pas que ce soit vide parce que... Ah, il a pas l'air vide. Ah bah oui. Merde. Qu'est-ce que j'entends? Les drapeaux rouges sont là. Allez. Allez. What? Ah, l'avion, il a parlé d'un avion. C'est quoi ça? Donc là, je pense que je suis en sécurité dans l'avion. J'espère. Ah, mais c'est... C'est quoi ça? Allez, allez.
Bon, il est vide. C'est sûr qu'il y en a eu plein là-dedans. Oh! Hein? Évidemment, ils ont le tour pour nous faire ça, eux autres. Attends, tu me niaises. Bon, ça sert à rien d'y tirer dessus. Ben là, attends. Ok, il était là juste quelques temps pour nous faire peur un peu. Donc ils me disent d'aller là-bas. Je peux pas aller là. Ils salissent mon écran, les petits maudits. Oh non, une minute. Laisse-moi. Une minute, va falloir que je change mon masque. Ah non, mais... Laissez-moi. Oh, j'entends des coups de feu. Laisse-moi tranquille. Bon, attends, là. Faut que j'aille là-bas. Je vois pas de drapeau rouge. Au moins, il faut que je monte là. Ah, oh, ben oui. Oups! Oups! Allez! Allez, je change mon fil là avant que je sois trop dans la merde. Ah, ok, faut mettre. C'est pour ça le gaz. Ça, c'est ce que. C'est ce qui est plus réaliste, mais en même temps, dans Metro 2033, c'est ce qui était le fun. On n'avait pas associé des masques à gaz. Mais en même temps, ben en fait, je sais pas si c'est plus le fun. Ça rajoute un côté réaliste et une coche de plus, tu sais. Qui nous met plus dans l'ambiance. Ouais. Normalement, c'est une bonne chose, je pense. Non? Voilà. Elle est morte. Elle, elle nous crache dessus. Oui, Emma. Dégage. Oh non. Holy shit. Allez. Alors, on se soigne. On fait un. Toi, tu meurs. Non, on est où? Allez, allez. Ah, oh, pis. C'est arrêté. What? 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 C'est quoi ça? Oh! Il y a un démon en plus. Mais attends, le démon, il l'attire. Ah, viens-t'en. Oh, le démon l'a fait fuir. Oh, mais ça fait deux fois dans Metro 2033 aussi. J'étais sauvé par un démon. Allez, je peux-tu sauter dedans? Allez, vite! De l'autre côté, de l'autre côté. Ok, c'est pas un démon, ça, c'est une mini-bébite. Holy shit!
Mais ça attire toutes les bébites, ce moteur-là. Ok, je comprenais pourquoi il... Je comprends pourquoi il m'attaquait pas. Donc j'ai fait beaucoup de bruit en avançant dans les marais. Si les nôtres sont vraiment dans l'église, je les retrouverai bientôt. L'église. Quel nom original. Donc c'est rendu la nuit. Coudon, il est long comment ce câble-là? Ou sinon c'est juste parce qu'il y a bien du brouillard, mais non, le ciel est... Il y a la lune pis tout, ok. Ouais, c'est stressant. Bon, j'ai l'impression que le câble mesure 14 km de long. Donc, j'en ai pour 6 minutes. Il va falloir que je me dépêche. Bon. Donc, lave-la, l'église. J'y vais sans tarder. Oh, j'entends des bruits. Ok, j'entends des bruits. On va peut-être prendre notre silencieux. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de... Ouais, j'entends des trucs marcher, là. Oh! Oui, oui, je te reçois, attends. Ben là. Oui, oui, j'ai une minute. Visée nocturne. Oh, nice. Non, N. Ok, je faisais V. D'accord, j'y vais. Donc, tu me dis que c'était pas essentiel, la visée nocturne. Attends, faut que je l'enlève. Pour savoir combien de temps il me reste. Bon, allez, je vais changer de masque. Donc, je répète que c'est visible sur ma montre. Le temps qu'il me reste. Par contre, faut que je... La visée nocturne, ouais, ça utilise pas mal de batterie. Allez, j'y vais. Qui me font peur. Allez, 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 allez. C'est pas rassurant, mais pas tout. Puis j'entends du monde crier ou quoi? C'est quoi ce bruit-là? Oh non! Ah, c'est le Big Boss! C'est le Big Boss! C'est quoi ça? Pas des nosalis en plus. Ben oui, des nosalis en plus. On remarque qu'ils vont peut-être fuir les cochonneries tout à l'heure. Ils sont faciles à tuer. Ben plus faciles que... Allez! Allez! Allez, allez, recharge! J'ai changé de masque, no stress, je me demandais qu'est-ce qu'il faisait. Allez, go! Y'avait-tu de quoi, là? Non. Ah, la vision nocturne, c'est cool! What? Mais laisse-moi tranquille! Mais je t'ai rien fait!
Mais est-ce que je peux la tuer seulement? Allez, allez. Oh, je vois un drapeau. Là. Donc, je pense que je suis dans la bonne direction. Alors, j'entends des trucs. Elle peut pas me suivre ici quand même. C'est quoi ça? C'était quoi ça? Bon. Ça fait vraiment peur. Bon, donc désolé de cette petite coupure, j'ai dû arrêter 3-4 secondes. Bon, c'est où qu'il faut aller là? Ils disent d'aller là, sauf que y a peut-être des trucs ici. Je suis full batterie. Mais voyons! Ok, ils sont allés là. Non? Je comprends pas, ils sont passés où? Bon, allez, j'ai pas infini de temps, là. Le masque. What? Holy shit, ça m'a fait faire le saut. Ah, mais c'est dégueulasse, le bruit que ça a fait. Bon. Attends, c'est où déjà, faut que j'aille? Là-bas. Mais je pense que je suis relativement en sécurité parce qu'il y a des lumières. Donc, il y a des humains. Ah, je suis là. Ben oui, tu me vois. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il va y avoir un boss. Je sais pas, mais la grosse bébite de tantôt, là. On parie combien qu'elle va être là? Allez, mon gars, viens par ici. Allez, dépêche-toi. Allez, ah. Non, mais quelle surprise! Allez, tirez dessus! Arthur, attaque le grand! Ben oui! Facile à dire! Prends à gauche! Arthur! Arthur! Allez! Donc, je pense que j'ai développé une technique efficace. Trois! Tout à droite! Voilà. Allez! Dans le mine. Allez! Allez! Mais tu es là! Qu'est-ce qu'ils attendent? Allez! J'ai peur! Allez, alors, allez, allez! Allez! Ah, il est pas mort, je pensais qu'il était mort. Je pense que je m'en sors bien. Ah non, faut que je change mon masque. Merde, j'ai plus de balles. Allez. Allez. On l'a eu. Bah, élimine quoi? Il me reste 30 secondes de filtre. C'est la première fois que je vois une bête pareille. Allez! Je vais pas changer de masque. J'arrive. Putain, t'es une armée à toi tout seul. Mais hein? Allez, entre. Content de te voir. Allez, entre. Ici, on craint rien. Oh. Je t'ai repéré quand t'étais tout là-bas. J'ai failli te tuer aussi. Ben là. Ça t'aurait appris à répondre aux messages radio. Mais j'ai senti que c'était toi. Ouais. J'espère que tu me pardonneras pour les jardins. Ah oui, les jardins, c'est vrai, au début du let's play, elle m'a laissé toute seule quand je me suis fait capturer par les fachos. Au milieu de l'enfer. Ah non, mais c'est enfin terminé, ça. Attendez. Je peux souffler. Ouh! C'est terminé.
Ça apparaît peut-être pas dans ma voix, mais j'ai stressé d'une puissance, là. Ah, bon, plombeur joue à Saint Rose 4. Très bien. Bon. Donc, au milieu de l'enfer. J'ignore pourquoi, mais j'étais vraiment heureux de voir ma partenaire Anna. Ben là, c'est la seule chicks dans les environs. Cette peste. Hein? Elle a finalement arrêté ses drôles de blagues. Elle a peut-être honte d'avoir laissé son partenaire sur le champ de bataille. Ouais, la petite maudite. Je te prenais pas au sérieux avant, mais Hunter, il a su te lire dès le départ, il t'a fait confiance. Il m'a fallu plus de temps. Je comprenais pas jusqu'à ce que je te voie à l'action, et j'ai failli te faire tuer. Tu me facilites pas la tâche, Artyom. J'arrête pour l'instant. Allez, prépare-toi. Les gars vont bientôt arriver et on va tous partir pour Oktyabrskaya. Mais là, on peut pas se reposer, genre 3 secondes. Bon. Oh que non, laisse ça allumer. Enfin, on se sent en sécurité. Donc, est-ce qu'il y a d'autres pubs? Oh, wow, quelle intimité. Bon, est-ce qu'il y a d'autres pubs pour... genre, Métro 2035, qui est supposé sortir fin 2014? Selon Wikipédia. Parce que j'ai lu le livre Métro 2033, Métro 2034. Au fait, un marchand d'armes ambulant s'est arrêté ici pour la nuit. Tu pourrais jeter un œil à sa marchandise. Excellente idée, mademoiselle. Aider un vieillard à survivre en ces temps troublés. Acheter des armes. Alors, quoi de neuf? Mais on me les fournit même pas, mais je suis un ranger. Elle devrait être là dans moins d'une heure. Bon, ben là, j'ai... Ok, mais je pense... Si attendez... là, il me gosse, là, à parler en même temps que moi, là. Sérieux, avant de rentrer dans la station Venise, OK, j'avais au-dessus de 100 munitions, 100 balles, balles échangeables, je parle, là. Là, dans la station, je suis rentré, j'en avais 15, puis je pense que c'est un bug, parce que j'ai rien dépensé. J'en ai mis, genre, 2-3 pour aider des gens, nowhere. J'en ai dépensé, je pense, quelques-unes pour des munitions de shotgun, puis j'en ai dépensé d'autres pour une prostituée. Ouais, c'est cool, mais c'est comme ça. Munitions ou autre, n'hésitez pas. Là, il me faut des balles de shotgun, sérieux. Sadia, quoi de neuf à l'entrée? Bon. Comment va la situation internationale? Ces balles sont excellentes, je les ai faites moi-même. 10 ans, on a eu des parasites. Et le mois dernier, j'ai eu Saint-Pétersbourg. Et ils savent qu'on existe. Quelqu'un est allé là-bas. Je reste jusqu'à demain. Alors, c'est cool. Besoin de quelque chose, repassez-moi. On le savait déjà. Et qu'est-ce que tu sais sur New York et sur Londres? Je sais rien sur Londres. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Au nord. Polyarnisori. Il y a une centrale nucléaire. Des gens ont survécu là-bas. Je leur ai parlé. Ils étaient attaqués par des barbares, mais ils tenaient bon. Tu sais bien mentir, Sanya. Tu devrais écrire des pièces sur notre triste existence et les faire jouer au Bolshoï. Ben là, il mentait dessus ou c'était vrai? Non, j'ai pas assez d'argent pour ça. Parce que, franchement, il a dit que... J'ai déjà oublié le nom de la ville, coudonc. Saint-Pétersbourg, c'est ça? Il a dit qu'il y a des survivants à Saint-Pétersbourg. T'es déjà allé dans les catacombes? Une fois. C'est des catacombes vraiment très anciennes. Je sais pas à quand elles remontent. Elles ont même survécu aux bombes atomiques. Les gens de l'église s'y sont cachés pendant la guerre, mais... C'est comme des catacombes de Paris. Disparu. Ils auraient pu aller dans les tunnels du métro ou... Les gens racontent des trucs, en fait. Tu parles de ouais, la Big comme... Mama? Comme partout dans le métro. Qui ça peut bien c'est quoi la Big Mama? Ah, vous êtes rapide. Vérifiez. Mot de passe. Barrage. C'est plus ça. Je connais merde. Cette voix. Merde. Je la reçois pas. Non. Une petite minute. Letinski. Je l'ai lu. Juste. Je me suis fait spoiler. Le traître. C'est-tu des rouges? Ah, oh, on se fait attaquer par les communistes. On se fait attaquer par les communistes.
Mais on est là pour défendre le métro. On est là pour défendre le métro. Espèce de sale traître. Letnitsky. Quelle bonne surprise. Je ne suis pas un traître. Ah, mais je me pense en sécurité. On va embarquer celle-là. C'est ça. Allez. Non. Ok, mais moi je fais rien, genre je reste là puis je le regarde faire. Letnitsky, mais on est là pour aider le métro, genre. Bon, c'est reparti. Donc, 75 balles de pistolet, 10 balles de shotgun. Je me rendrai pas loin avec ça. Puis en masse de balles de tout ça. Donc, je vais utiliser mes balles de pistolet. Je les ai pas beaucoup utilisées. Attends, c'est-tu là qu'il faut aller? Sûrement, parce que les autres chemins sont bloqués. Y a-tu des balles, par contre? Oh non! La snapta. What? Ah, il est encore... What? Vous l'avez vu, je suis pas fou. Il bouge! Mais il est vivant! Mais c'est-tu un bug? C'est-tu un zombie? Meurt! Non, il meurt pas! C'est un zombie. C'est un zombie. Et moi, je me pousse. Sérieux, là? Wow! Les effets de lumière sont bien réussis. On me voyait courir comme un super ninja. Un autre Snapta qui est mort. C'était les rouges. Ah, il est mort en faisant le message. Avec nos uniformes. Ils sont pris à l'arme. Ils sont allés au sous-sol. Il y a une entrée vers les catacombes. Ça mène à Obdiabroskaya. Ils vont là-bas. Dangereux. Anna. Donc, ils ont Anna. Ça, on le sait. Ils l'ont assez répété. C'est une mitraillette. Je me demande si elle est plus efficace que celle que j'ai. Oh, attends. Non! Fuck! Ah, je suis presque mort en plus. Bon. Ok, mais là, ça remplace mon pistolet. Mais non, mais... C'est con, ça utilise les mêmes balles. Par contre, ok, il a repris les balles. Ok, mais ça va, là, tu peux te guérir. Ça, par contre, c'est un shotgun, mais il est... Je comprends pas... Il nous échange contre l'arme qu'on tient en ce moment. Il nous l'échange pas contre... Ok. Ouh. Donc il y a un silencieux puis une lunette. Ça pourrait être intéressant. Oh! Ok, je prends. Ben, je sais pas si c'est vraiment un silencieux. Attends, je vais regarder. Parce qu'il y a un embout jaune. Donc, c'est supposé être un silencieux, mais je suis pas sûr. Bon. Ah, mais j'y pense, on n'a pas besoin de lumière, nous autres. On a ça. Hé. Allez. On y va. What? Ok. What the fuck? Allez. Je peux pas allumer ma lampe. Je peux pas allumer... Je pèse sur F. Je pèse sur N. Je peux ni mettre ma vision nocturne, ni allumer ma lampe. Par contre, ça marche. Oh!
Je peux pas apprendre. Non, je peux toujours pas allumer ma lampe. What the fuck? C'est quoi ça? C'était quoi ça? Non, attends. Il y a un truc de soin, lui. Bon, là, ma lampe, elle marche. Mais j'en ai pas. Tu sais que c'est pas rassurant pour deux scènes. Attends, j'ai... Non, je vais laisser. Ah! Je pensais qu'il me laisserait tranquille. Allez! Allez! Mais meurs! Bon, on dit ça. Mais, je sais... Mais je tire! Allez! Allez! Une chance, j'allais ce couteau-là. Holy shit! Ah, mais là, je me sens king avec cette mitraillette-là, par contre, avec une vision nocturne puis un rayon laser. La totale. Mais ils sont passés par là, les... Je peux pas croire qu'ils sont passés par là, les autres. Holy shit, j'aurais peut-être pas tiré. Pas dû tirer. Allez, on recharge. Ça m'en... Shit! Ça prend énormément de balles. Bon, oublie ça. Oui, je sais, plombard, je sais. J'en ai des balles. Une grenade incendiaire. C'est quoi ça? Ça fait trembler le sol. De l'eau lumineuse. Très utile. Je ne suis pas là et je ne tirerai pas. Par contre, comme vision nocturne, j'ai déjà vu mieux. Hein. Ok, il se passe des trucs bizarres. Ils sont allés là. Aller fouiller là. Hein. C'est pas là qu'il faut que j'aille, donc je vais y aller. Je suis allé là. Merci. Ah. Un sniper.
choix. Voilà. Non. Recule dans le feu. Bon, je viens de me barrer la route. Mais c'est con, ça y a même pas explosé dessus. Ça n'a aucune propagation, ces grenades-là. Ces bombes-là, plutôt. What? Ok, j'ai l'air de trouver plus de balles que j'en dépense. Tant mieux. Ça sauvegarde. C'est pas bon signe. Merde, il est en arrière de moi. What? 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 J'espère que... Ah, c'est ça la Big Mama. C'est ça qu'elle parlait. Bon, ben, allez, on allume la lampe. Allez. Il me faut vraiment un shotgun. Un shotgun qui tire hyper rapidement, comme dans Metro 2033. Bon, je tiens E enfoncé, c'est très forçant. What? Bon, allez, je tiens E enfoncé. Par contre, je sais pas comment je fais pour tenir mon arme et continuer de peser sur E. De tourner la roue, je veux dire. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Sûrement les ceux qui nous ont attaqués, qui sont passés par là précédemment. Sauf que eux, ils sont plusieurs. Eux sont injustes. Bon, au moins, ils ont l'air de souffrir. Se bouffer live. Non. Bon, ok, attention. Wow. Je peux rester discret bien longtemps. Les autres, les silencieux, ça marche pas. Avec eux. What? C'est ça qui me fait mal. Mais je peux plus bouger. Mais c'est quoi cette cochonnerie là? Ouais, mais c'est ça, on meurt. What the fuck? What the fuck? J'ai plus de balles de mitraillette. Ah, ok. Il me reste des balles de shotgun. What? Mais je peux pas me battre au couteau, hein? Dans 2033, j'avais un couteau. C'est très utile quand t'avais plus de munitions. Là, si j'ai plus de munitions, je suis dans la merde. C'est là, faut que j'aille. On dirait que oui. Allez, on y va. Mais c'est quoi les... Truc what the fuck, je viens de me sortir d'un big monstre
J'ai une manfeu d'un Big Monster, puis il m'en donne un autre. Est-ce que je peux les contourner? Ah, ça t'apprendra. Ça, c'est du shotgun. Mon homme. Mais... meurs! Ça, t'es supposé avoir brûlé pis tout. Je pense que je les ai eus. Je pense que je les ai eus. Ok. Je suis dans le même état, what the fuck, que vous. J'ai la chienne. Bon. Allez, on va aller là. Si c'est là qu'il faut que j'aille. Ouais, c'est là qu'il faut que j'aille. Bon. Wow. Wow. T'es creux à l'intérieur, c'est cool. Ah, voilà. Fallait juste que je trouve le spot. Là, j'ai plus rien à faire. Qu'est-ce que j'ai activé? Holy shit! C'est quoi ça? What the fuck? What the fuck? Mais ils sont bien durs! Ils font mal! Mais il y en a combien? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez. Vous ne passerez pas. Bon, ok, ça sert juste à rien. Les grenades incendiaires. Ça les intimide même pas. Allez. Merde. Merde, merde. Allez. Il me reste juste des balles de pistolet. Et en plus, il y a une grosse bébite depuis tout à l'heure. Allez, moi je m'en vais de là. Mais je fais quoi si j'ai plus de balles? Mais plus pantoutes. Et emmène-moi ailleurs. Oh non, c'est pas fini. C'est vrai que c'est vieux. Elle avait raison. Non, mais please, c'est quand ça va finir? Bon. Reste allumé, please. Hein? Donnez-moi toutes vos bébelles. Donc, j'ai 2 coups de shotgun, 10 coups de mitraillette, ce qui est ridiculement bas. Oh boy, il va se passer de quoi? Et voilà. What? C'est ça la Big Mama? Non, 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 reste pas là! Artyom, crétin! J'ai plus de balles de rien. What? Il faut s'arranger pour qu'il détruise des piliers. Holy shit. Holy shit.
What? What? The fuck? What? Puis je tue ça au pistolet, moi. Like a boss. What? 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 The fuck? Mais... Va-t'en. Va. Je sais pas quoi dire. Oh non! Qu'est-ce que tu veux? Ah! Hop, il y a des petits en plus. Laissez-moi. Mais laissez-moi, il y a des petits en plus. Mais j'ai plus de balles. Oh la totale, oh la totale. Mais je peux pas me pousser. Holy shit. Il me reste une balle. Vite. Plus de balle, plus de balle. Il me reste quoi? Des couteaux. Mais il me reste plus rien. Mais please. Non, 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 non. Non, non, je mourrai pas rendu là. Ah, c'est de là que j'arrive. Allez, je pense qu'il me reste un couteau. Mais il me reste plus rien. Je sais pas c'est quoi ça. Oh, please, meurs. Oui, 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 je l'ai eu avec ma dernière arme. Oh my fucking bitch god, je l'ai eu. Oh, le stress. Oh, le stress. Oh, je l'ai eu. Mais j'avais plus rien. Ok. Ok. Regardez. Je fais 2. Plus de balles de pistolet. 3. Plus de balles de shotgun. 4. Plus de balles de rien. Je fais ça. J'ai plus de couteau. J'ai plus rien. Il me restait juste une... Ah. What the fuck? Je pense que c'est prévu tout ça. Mais il me reste plus rien. C'était la dernière. Une mine antipersonnelle. Bon, Ah, ouch. Bon, ben j'ai... C'est la flèche d'eau, la flèche de toilette qui a... Que... Oups, j'ai accroché le micro. Qui a tout flushé, en tout cas, peu importe. Bon, ben on va arrêter l'épisode là. À travers le feu, tous les chemins mènent à Oktiarbraskaya. Le somme se trouve là-bas, il y en a aussi entre les mains de mes ennemis. Les mains d'un traître, Letsnitsky. Écoutez, il ne me restait plus
plus rien. Sérieux, je savais pas c'était quoi ça que je venais d'utiliser. C'était une mine antipersonnelle. Je savais même pas. Ou une mine de proximité, j'en ai aucune idée. Je savais même pas. Je capote ma vie. Sérieux. Si je l'avais pas tué avec cette mine-là, là, ça aurait été fini. J'avais utilisé tous mes couteaux, toutes mes bombes, toutes les mines antipersonnelles, toutes les munitions. Je capote. La chance, mais straight là, là j'ai plus rien. Plus rien pantoute pour me défendre. J'ai juste mon couteau pour faire E. Puis même là, je peux même pas taper avec. Aïe aïe aïe. Bon ben... ça mérite un like ou un j'aime. Aïe aïe. C'est le temps de déstresser. J'enregistrerai pas la suite tout de suite parce que je suis trop sénère. Bon ben, si vous avez aimé, mettez un j'aime, un commentaire, partagez, abonnez-vous. Même si ça m'étonnerait que vous soyez pas abonné si vous avez écouté cette partie-là, hein, parce que ça, je pense qu'on approche la fin, hein, avec tous ces boss-là pis tout, là. Fait que, ben c'est ça, allez, à la prochaine!